Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous remercie vivement de m'accueillir parmi vous. La chaire que vous avez créée à mon intention témoigne de votre intérêt pour l'étude de l'environnement, dont l'évolution peut être d'origine naturelle ou liée à l'activité humaine. Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe, car il s'agit là de problèmes qui intéressent non seulement la communauté scientifique spécialisée, mais aussi la société dans son ensemble. Je formule ces remerciements à titre personnel, mais aussi au nom d'une discipline, ou plutôt d'un domaine éminemment interdisciplinaire, à la croisée des sciences de la Terre, de la biologie, de la physique et de la chimie. La création de cette nouvelle chaire dédiée à l'étude du climat et de l'océan et à leur évolution dans le temps constitue aussi la reconnaissance des travaux de toute une communauté scientifique, la participation française étant de tout premier plan. J'ai la chance d'être nommé à un stade encore précoce de mon parcours de chercheur. Ma nomination au Collège de France devrait donner un nouvel élan à mes recherches, mais aussi insuffler une nouvelle dynamique grâce aux enseignements et à l'organisation de séminaires et colloques spécialisés. Mon souhait le plus cher est d'en faire bénéficier la communauté dans son ensemble. Cette chaire assurera, je l'espère, une visibilité et une diffusion encore plus grande de ce domaine de recherche. Ma reconnaissance se tourne particulièrement vers Xavier Lepichon, qui vous a présenté le projet de chaire d'évolution du climat et de l'océan. Ma présence parmi vous ce soir doit beaucoup à sa force de persuasion et à sa large vision des sciences. Bien que la chaire d'évolution du climat et de l'océan soit nouvelle au Collège de France, elle s'intègre cependant dans le cadre d'une série plus large de chaires en sciences de la Terre. Les travaux de Xavier Lepichon sur la tectonique des plaques ne sont pas aussi éloignés de mes préoccupations qu'il y paraît de prime abord. En effet, le climat global évolue aussi à très long terme, suivant des rythmes dictés par la dynamique interne du globe terrestre. L'impact des changements climatiques et environnementaux sur les sociétés humaines est aussi une préoccupation très présente au sein du Collège de France. L'étude de la radification progressive et de l'évolution de la végétation africaine au cours des derniers millions d'années a permis à Yves Coppens de proposer un cadre logique à l'évolution des premiers hommes et à la colonisation des autres continents. Avec le regard de l'historien, Emmanuel Leroy-Ladurie a pu reconstituer les changements climatiques depuis l'an 1000 et notamment leur impact sur les sociétés depuis le Moyen-Âge. Les textes fondateurs d'Yves Coppens et d'Emmanuel Leroy-Ladurie sont aussi à l'origine de mon intérêt pour les relations entre le climat et l'homme. En remontant encore le temps, il apparaît clairement que les sciences de la Terre ont souvent eu bonne place au Collège de France. J'ajouterai les noms d'Élie de Beaumont, de Lucien Cailleux, Paul Fallot au début du XXe siècle, mais surtout celui de Georges Cuvier, nommé en l'an 1800 dans la chaire d'histoire naturelle. Georges Cuvier est surtout connu et célébré pour avoir fondé la paléontologie. Bien que s'opposant farouchement aux théories émergentes de l'évolution, Cuvier cherchait à expliquer la disparition des espèces d'animaux disparus qu'il décrivait. Selon lui, les causes principales de ces changements étaient de grandes catastrophes environnementales. Dans son discours sur les révolutions de la surface du globe, Cuvier écrivait alors « Des êtres vivants sans nombre ont été victimes de ces catastrophes. Les uns, habitants de la terre sèche, se sont vus engloutis par des déluges. Les autres, qui peuplaient le sein des eaux, ont été mis à sec avec le fond des mers subitement relevé. Leurs races mêmes ont fini pour jamais et ne laissent dans le monde que quelques débris à peine reconnaissables pour le naturaliste. » Au sujet des fossiles de mammouths et rhinocéros laineux découverts alors en Sibérie, il écrivait que la dernière grande catastrophe a laissé encore dans les pays du Nord des cadavres de grands quadrupèdes que la glace a saisis et qui se sont conservés jusqu'à nos jours avec leur peau, leurs poils et leur chair. S'ils n'eussent été gelés aussitôt que tués, la putréfaction les aurait décomposés. C'est donc le même instant qui a fait périr les animaux et qui a rendu glacial le pays qu'ils habitaient. Cet événement a été subit, instantané, sans aucune gradation, et ce qui est si clairement démontré pour cette dernière catastrophe ne l'est guère moins pour celles qui l'ont précédée. Après avoir revendiqué cet aspect historique et descriptif de nos recherches sur l'évolution de l'environnement, je veux aussi souligner que ceci ne saurait suffire pour élucider les mécanismes des changements de milieux complexes comme l'atmosphère et l'océan. Le spécialiste de l'histoire du climat se change donc en véritable climatologue du passé, dont les compétences doivent être multiples à l'interface de la climatologie, de la météorologie, de l'océanographie et de la géologie. Ce sont aussi la physique et la chimie qui, seules, peuvent nous permettre de quantifier les changements climatiques et les comprendre en tentant de les modéliser.
Le chercheur se tourne alors vers la mécanique des fluides ou des milieux continus, la thermodynamique, la chimie des gaz ou les solutions aqueuses. Comprendre l'évolution du climat nécessite de considérer le système climatique dans sa globalité. Ce système comprend des compartiments très divers, comme l'atmosphère, l'hydrosphère, notamment les océans, la cryosphère, en particulier les calottes de glace polaire, la biosphère et enfin la lithosphère. Ces différents compartiments échangent entre eux de la matière et surtout de l'énergie. Le Soleil et son flux lumineux est un moteur qui met en mouvement les enveloppes fluides comme l'atmosphère et l'océan. Les turbulences rapides et incessantes de la basse atmosphère sont l'étude du météorologue. Elles ne doivent cependant pas faire oublier que le climat global a atteint un équilibre dynamique dicté par l'éclairement solaire et la teneur en gaz à effet de serre. Cet équilibre énergétique de la Terre est résumé sur cette nouvelle figure qui présente le bilan moyen entre le flux solaire, représenté en jaune, la propagation et finalement la réémission vers l'espace de ce flux énergétique, représenté en rouge. Le système Terre-atmosphère ayant atteint un équilibre thermique, le bilan net est nul. Au total, 342 watts par mètre carré sont donc réémis pour compenser le flux solaire incident. Environ 30% du flux solaire sont directement réfléchis vers l'espace par les nuages, les aérosols, l'atmosphère et la surface de la Terre. Les 70% restants sont absorbés soit par l'atmosphère, soit par la surface de la Terre et donc transformés en chaleur. La surface terrestre étant nettement plus froide que celle du Soleil, elle réémet un rayonnement infrarouge. Celui-ci ressortira après un cheminement complexe à travers l'atmosphère. Plusieurs de ses composants chimiques, essentiellement transparents au rayonnement visible, absorbent les infrarouges qui retournent par réémission vers la surface terrestre. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Le concept d'effet de serre a vu le jour au début du XIXe siècle. En 1824, le physicien français Joseph Fourier publie ses remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires. Il y expose une idée originale. L'enveloppe atmosphérique du globe se comporte comme le vitrage d'une serre. L'analogie lui a été suggérée par les travaux d'Horace-Bénédicte de Saussure à la fin du XVIIIe siècle. Le naturaliste suisse avait construit un appareil constitué de 5 caisses de verre emboîtées les unes dans les autres, munies de thermomètres, pour montrer que plus l'on va vers le centre, plus la température s'élève. À propos de cette expérience, Fourier écrit « C'est ainsi que la température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère, parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air, étant à l'état de lumière, qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure, c'est-à-dire en infrarouge. » Quelques années plus tard, le physicien français Claude Pouillet, puis l'Irlandais John Tyndall, attribueront l'effet de serre à la vapeur d'eau et au gaz carbonique. Soulignons toutefois que l'image de l'effet de serre, bien que commode, n'est pas tout à fait exacte. Dans la serre, l'air chaud reste essentiellement piégé par la cage de verre parce que la convection thermique est bloquée. L'air chaud ne peut pas se propager vers l'extérieur. En revanche, dans l'atmosphère, courants d'air chaud et d'air froid circulent librement. La chaleur est piégée à la surface de la Terre parce que certains composants absorbent les infrarouges émis par la surface. La Terre n'est d'ailleurs pas la seule planète concernée. Un effet de serre existe par exemple sur Vénus et sur Mars, qui possèdent toutes deux une atmosphère opaque aux infrarouges. Aujourd'hui, l'effet de serre terrestre est l'objet de nombreuses inquiétudes car les activités humaines ont perturbé notablement l'équilibre atmosphérique. Cette nouvelle figure résume les changements du bilan radiatif moyen depuis le XIXe siècle. Les variations, par exemple de la composition atmosphérique, peuvent être converties en équivalent de forçage radiatif, exprimé en watts par mètre carré, positif en rouge, tendant donc à réchauffer le climat, et négatif en bleu, pour les effets refroidissants. À gauche sont regroupés les changements dus aux gaz à effet de serre, qui représentent au total une augmentation de l'ordre de 3 watts par mètre carré, c'est-à-dire environ 1% du flux solaire. Pour l'essentiel, cette augmentation est liée à la combustion de carbone fossile et à leur transformation en gaz carbonique. Donc la colonne de cet histogramme qui est représentée ici représente la colonne justement du gaz carbonique qui représente environ la moitié, soit 1,4 watts par mètre carré. Le chimiste suédois Svante Arrhenius a été le premier en 1896 à prédire une augmentation de la température moyenne de la Terre comme conséquence de l'utilisation industrielle des combustibles fossiles. Il voyait même là le moyen d'atténuer la rudesse du climat scandinave. Cette nouvelle figure montre l'augmentation de la température atmosphérique moyenne dans la deuxième moitié du siècle dernier. La tendance est clairement au réchauffement global. Après des années de doutes et de controverses, il apparaît maintenant que l'essentiel de cette augmentation, d'environ 1 degré sur le dernier siècle, peut être attribué à l'augmentation de l'effet de serre résultant des activités humaines, c'est-à-dire anthropiques.
Une conséquence directe du réchauffement global actuel est une dilatation des couches superficielles de l'océan. Les estimations les plus récentes indiquent un taux actuel de remontée du niveau de la mer de l'ordre de 25 cm par siècle. Ces fluctuations ont pu être suivies pendant la dernière décennie par altimétrie satellitale et sont résumées sur le premier panneau de cette nouvelle figure. Les deux autres panneaux de ce graphique remettent en perspective les changements récents du niveau marin. Ceux-ci viennent se surimposer à des variations naturelles liées aux glaciations à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'années et à des changements de la géométrie des océans à l'échelle de plusieurs centaines de millions d'années. Donc, sur ce graphique, en fait, en haut, à chaque fois, l'axe des abscisses sera l'échelle temporelle. Ici, vous avez l'échelle temporelle pour les variations très récentes, de 1993 à l'année 2001, obtenue par l'équipe d'Annie Cazenave du CNES à Toulouse. Donc, une remontée du niveau de la mer qui est équivalente à 2,5 mm par an, c'est-à-dire 25 cm par siècle. Et la mise en perspective vous est donnée en fait, par ces deux autres tableaux qui représentent le niveau marin global sur les derniers quatre cycles glaciaires depuis 400 000 ans. Et le dernier panneau vous donne une perspective sur 600 millions d'années avec, bien évidemment, des changements dont l'amplitude n'est pas la même. Ici, vous avez des anomalies qui sont représentées en millimètres, anomalies du niveau de la mer représentées en millimètres, alors que, à la fois pour les changements liés aux glaciations et à la géodynamique globale, les changements se comptent en centaines de mètres. Donc cette mise en perspective n'est pas destinée à minimiser les variations récentes, bien au contraire, mais souligne la nécessité de suivre et de quantifier les changements climatiques à toutes les échelles de temps afin de pouvoir détecter des variations significatives, en particulier celles effectivement liées à nos activités. Ce diagramme très simplifié présente donc les principales causes des changements du climat en fonction de leur constante de temps en unités logarithmiques. En rouge et en vert sont distingués les forçages externes au système climatique, en bleu ce que nous pouvons appeler des réarrangements internes au système, et finalement en noir les effets anthropiques. L'intérêt de ce diagramme est de montrer que les différentes origines de fluctuations climatiques possèdent leurs caractéristiques temporelles propres, mais qu'elles peuvent aussi interférer les unes avec les autres. Tenir compte de la lente dérive des continents pour prévoir le climat du prochain siècle est sans doute superflu. Mais, comme nous le verrons plus loin, il est indispensable de replacer les changements anthropiques dans un contexte nettement plus large que le siècle dernier. Le genre humain a toujours été confronté à des changements climatiques majeurs. C'est même probablement son adaptabilité à tous les climats qui le singularisent. Une magnifique illustration en est donnée par la grotte Cosquer, découverte en 1991 dans les Calanques de Marseille. L'entrée de cette grotte est maintenant située à 37 mètres sous le niveau actuel de la Méditerranée. Mais pendant la dernière glaciation, l'homme préhistorique pouvait y pénétrer, comme en témoignent ces représentations de chevaux et, plus rare, de ces pingouins qui nous rappellent l'extrême rudesse du climat de cette époque. Aussi impressionnantes qu'elles puissent être, ces représentations ne permettent pas de véritablement quantifier les changements climatiques. Les spécialistes ont donc recherché des sources documentaires ou archives climatiques dans lesquelles ils peuvent lire les fluctuations de paramètres comme la température, le niveau marin ou la pluviosité. Ces archives sont de nature géologique au sens large du terme. L'information climatique y est enregistrée par de nombreux paramètres physico-chimiques ou même biologiques qui sont liés aux conditions environnementales lors du dépôt de ces archives. Pour les sédiments marins, on peut faire une liste des principaux outils du paléoclimatologue basée sur les microfossiles, des rapports isotopiques ou certaines molécules et atomes disséminés à l'état de traces dans les roches sédimentaires. On peut faire de même pour les glaces polaires, avec une mention particulière pour les bulles d'air qu'elles contiennent et qui permettent de remonter aux teneurs passées des gaz à effet de serre. Les récifs coralliens, quant à eux, donnent un accès privilégié aux variations du niveau marin. Ces listes ne sont évidemment pas exhaustives et l'on pourrait en détailler d'autres pour le bois fossile, les dépôts de lacs, les stalagmites et même les documents historiques pour des périodes les plus récentes. Collecter ces archives ne se fait pas sans mal. Donc ici, je voulais vous montrer aussi une figure qui vous présente un bateau océanographique, le navire Marion Dufresne. Collecter ces archives ne se fait pas sans mal. Pour les sédiments océaniques, la communauté scientifique dispose d'une flotte de navires de recherche, dont un des fleurons est sans conteste le Marion Dufresne. La photo du bas vous présente le carottier géant utilisé pour forer de longues séquences sédimentaires continues et bien préservées. D'autres techniques de forage permettent d'étudier les récifs coralliens et reconstituer les changements du niveau des mers en utilisant des fossiles de certaines espèces, comme cet acropore des Caraïbes.
De retour au laboratoire, les chercheurs décortiquent ensuite la matière même de ces archives et mesurent les indicateurs physico-chimiques ou biologiques, qui ont fidèlement enregistré les paramètres climatiques. Le paléoclimatologue se change donc en spécialiste de techniques analytiques pointues, comme la spectrométrie de masse ou la chromatographie. Après ce bref aperçu du métier d'enquêteur en paléoclimatologie, j'aimerais concrétiser mon propos en vous montrant quelques grands types de variations climatiques dont les causes principales sont soit externes à la Terre, soit internes au système atmosphère, hydrosphère, cryosphère. À l'échelle des dernières centaines de milliers d'années, l'évolution du climat se caractérise par des cycles glaciaires-interglaciaires. La cause principale en est la cyclicité de la répartition géographique de l'insolation due à des changements des paramètres de l'orbite terrestre. Cette nouvelle vue résume les trois cycles majeurs liés aux variations de l'excentricité de cette orbite, de l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre et enfin de la précession des équinoxes. La théorie astronomique des glaciations a été formulée initialement dans les années 30 par l'astronome serbe Milutin Milankovitch. Néanmoins, ce n'est qu'au cours des dernières décennies que les chercheurs ont pu reconstituer des séries temporelles bien datées pour tous les compartiments du système climatique. Ces données confirment la puissance explicative de la théorie de Milankovitch. À titre d'illustration et parmi de nombreux autres enregistrements, cette nouvelle figure vous présente les cycles de l'insolation des 400 000 dernières années, ainsi que les fluctuations de paramètres climatiques comme le niveau marin global, la teneur atmosphérique en gaz carbonique, les températures de l'air en Antarctique et des eaux de surface de l'océan Indien. Donc à chaque fois, pour ces panneaux et pour ceux qui suivront, l'axe du temps est encore une fois l'axe des abscisses et les différents panneaux sont représentés alors ici avec une échelle temporelle qui va de droite vers la gauche, le temps présent étant représenté par le zéro ici, et donc nous avons ici les 400 000 dernières années avec les quatre derniers cycles glaciaires que l'on voit particulièrement bien, à la fois sur le niveau marin global, qui est représenté ici, sur le deuxième panneau, et la teneur en gaz carbonique atmosphérique reconstituée à partir des bulles de gaz de la carotte de glace célèbre de Vostok. Toutes ces évolutions sont clairement en phase et indiquent que la répartition de l'insolation exerce un contrôle majeur sur la cryosphère, le cycle du carbone, l'atmosphère et l'océan. Chaque transition glaciaire-interglaciaire, marquée par la fonte des calottes continentales et la remontée du niveau marin, est prévue par la théorie astronomique de Milankovitch. Mais sa vitesse et son amplitude sont amplifiées par des interactions complexes entre l'océan, l'atmosphère et les calottes de glace. En particulier, la dernière déglaciation, entre 20 000 et 6 000 ans avant nos jours, a entraîné une formidable remontée du niveau marin global d'environ 120 mètres. La chronologie précise de cette période tourmentée a pu être reconstituée à partir grâce à des forages de récifs coralliens et des mesures géochronologiques précises. Durant cette période, de nombreux autres paramètres climatiques et océanographiques ont subi des variations de premier ordre. Réchauffement global de l'ordre de 5 degrés Celsius, augmentation d'environ 40% des teneurs atmosphériques en gaz à effet de serre, gaz carbonique et méthane en particulier, diminution de la vitesse des vents, réorganisation de la circulation océanique. Un des résultats majeurs est aussi la découverte de variations brusques du niveau marin qui correspondent à des périodes de débâcle glaciaire. Donc ici, vous avez en particulier une période de débâcle qui est datée vers 14 000 ans avant maintenant. Donc un tel événement a eu lieu vers 14 000 ans avant nos jours et a été marqué par une hausse rapide du niveau global à un taux supérieur au mètre par siècle, c'est-à-dire beaucoup plus rapide que la hausse observée sur le dernier siècle et qui est attribuée à l'effet de serre anthropique. À la fin des années 80, le géologue allemand Hartmut Heinrich a découvert que ces débâcles étaient très fréquentes en période glaciaire, lorsque les calottes continentales recouvraient le nord des continents. La calotte Laurentide, qui couvrait alors le Canada, rabotait littéralement les roches du socle nord-américain, comme cette représentation vous le suggère. Ces débris finement broyés étaient ensuite transportés par les icebergs qui les ont disséminés en Atlantique Nord. Ces débris détritiques glaciaires sont concentrés dans les sédiments marins sous la forme de couches dont l'épaisseur s'amenuise à mesure que l'on s'éloigne de la baie d'Hudson. À ce niveau, il est indispensable de rappeler que les débâcles glaciaires ont eu lieu dans une région très importante pour la circulation océanique globale. En effet, les différents bassins océaniques échangent des masses d'eau en surface et en profondeur, comme cela vous est représenté sur ce graphique. Il existe en particulier une gigantesque boucle d'échange appelée circulation thermohaline globale, dont la formation d'eau profonde est principalement localisée en Atlantique Nord. La plongée des eaux superficielles est très sensible au bilan hydrologique local, et en particulier à la dilution de l'eau de mer par les pluies ou la fonte d'icebergs.
qui ont tendance en fait à diminuer la densité de l'eau de mer. L'injection d'énormes quantités de glace continentale pendant les événements de Heinrich a diminué la densité de l'eau de mer, freinant ainsi considérablement cette circulation thermohaline. La conséquence directe de ces variations de la circulation océanique a été un refroidissement généralisé en Atlantique Nord et sur les continents limitrophes. Les fréquentes débâcles d'icebergs se sont conjuguées à d'autres modifications du cycle hydrologique pour générer des fluctuations climatiques extrêmement brusques et de grande amplitude. Ces variations ont été identifiées dans les années 80 par le glaciologue danois Willy Dansgaard et le géochimiste suisse Hans Oeschger. Cette nouvelle figure présente différents enregistrements pour les 100 000 dernières années. Ceci illustre bien la fréquence et l'impact climatique des événements de Heinrich et de Dansgaard-Oeschger. Lors des transitions, la température de l'air au niveau du Groenland, qui est représentée ici en bleu, change environ d'une quinzaine de degrés en moins d'un siècle. Donc c'est à chaque fois, tous ces petits événements sont des événements dits de Dansgaard-Oeschger ou de Heinrich. Donc la température change de façon tout à fait abrupte d'une quinzaine de degrés en moins d'un siècle. Les fluctuations de la température de l'océan, en particulier en Atlantique Nord, qui sont représentées ici par la courbe en rouge, sont plus limitées, mais peuvent atteindre plus de 5 degrés sur la même échelle de temps, soit moins d'un siècle, encore une fois. Ces enregistrements montrent bien que les refroidissements correspondent précisément aux injections de sédiments détritiques glaciaires, les fameux événements de Heinrich, que l'on peut suivre en fait sur la troisième courbe. L'abondance de débris glaciaires est enregistrée sur cette troisième courbe, représentée ici en gris, qui est représentée en fonction du temps. La figure qui vous est représentée sur la partie droite représente un agrandissement. Ce sont deux photographies qui sont prises sous une loupe binoculaire et qui vous montrent le contraste entre les deux types de sédiments. Sédiments à l'extérieur de ces maxima donc de débris glaciaires, qui est représenté ici, donc un sédiment glaciaire tout à fait typique, avec des foraminifères en particulier. Et l'autre vue prise sous loupe binoculaire montre ce que l'on trouve dans ces fameux événements de Heinrich. Et typiquement, les minéraux, on voit très bien un contraste très important, les minéraux détritiques des couches de Heinrich sont principalement des grains de quartz très particuliers qui ont été érodés du continent canadien. À l'aide de marqueurs isotopiques, il est possible de suivre l'intensité de la circulation profonde atlantique. Donc c'est cette courbe qui est représentée encore une fois en fonction du temps depuis 100 000 ans, en bleu. L'enregistrement qui est présenté ici montre clairement que les variations de la température, représentées ici en rouge, suivent intimement celles de la formation d'eau profonde. Une analyse de détails montrerait très bien, là j'ai effectivement fait un agrandissement représenté ici en gris, on voit très nettement en particulier que ces deux événements de Heinrich, donc des refroidissements très importants correspondant à des poussées, à des débâcles glaciaires, correspondent véritablement de façon synchrone à deux baisses généralisées de la ventilation, de ce qu'on appelle la ventilation ou de la convection profonde en Atlantique Nord. Des études basées sur l'abondance relative des pollens préservés dans les sédiments océaniques ou lacustres permettent d'étudier l'impact de ces changements climatiques brusques sur l'Europe et sur la côte est de l'Amérique du Nord. Comme le montre le panneau gris, qui est représenté ici, qui est encore une fois un agrandissement entre 38 000 ans et 50 000 ans avant maintenant, la végétation du sud de l'Europe oscillait entre une steppe froide et sèche et des forêts arborées typiques d'un climat tempéré. Le modèle conceptuel, conçu en comparant les enregistrements paléoclimatiques, a pu être testé par la modélisation numérique. L'animation qui est présentée ici simule les anomalies de température atmosphérique dans un modèle couplant l'atmosphère et l'océan. Il s'agit du modèle Klimber, développé à l'Institut allemand de Potsdam. Le bilan hydrologique en Atlantique Nord y a été perturbé de façon modérée et régulière par l'injection d'eau de fonte, essentiellement en Atlantique Nord. Par contre, la réponse climatique qui va vous être présentée par cette animation est très clairement amplifiée de façon drastique avec des changements thermiques d'une dizaine de degrés au Groenland et en Atlantique Nord. Alors encore une fois, le curseur ici qui vous est présenté en haut à droite représente les années, le défilement des années lors de cette modélisation. Donc je vais repasser en fait ce petit film qui vous présente cette simulation, donc une perturbation très nette du système océan-atmosphère qui perturbe donc les températures atmosphériques. Et encore une fois, les changements qui passent en fait de température d'anomalies de température très élevées jusqu'à plus 6 degrés en Atlantique Nord pour aller vers des anomalies de température
négatives de jusqu'à moins 5 degrés en Atlantique Nord opèrent en fait sur des constantes de temps très rapides, de l'ordre de moins d'un siècle. Donc je repasse le petit film, cette petite animation. Encore une fois, il faut suivre le curseur temporel situé en haut à droite. Des études théoriques complémentaires indiquent que le couple océan-atmosphère réagit de façon non linéaire en basculant d'un état chaud à un état froid lorsque le flux d'eau douce en Atlantique Nord dépasse un seuil critique. Le système océan-atmosphère présente donc plusieurs états ou modes caractérisés par des circulations océaniques profondes très différentes. Un point fondamental est que la vitesse de cette bascule climatique est indépendante de celle de la perturbation de départ. Les transitions ne durent en effet que quelques décennies, ce qui est compatible avec les données observées dans les glaces du Groenland et les sédiments de l'Atlantique. Ces événements climatiques brusques et leur expression dans l'océan seront le sujet du cours et des séminaires de cette année. Après avoir donné quelques détails concernant des variations dont les causes sont soit externes, comme les cycles de Milankovitch, soit internes au système climatique, j'aimerais maintenant me tourner vers un passé encore plus récent et une cause dont l'influence est l'objet de quelques controverses. Notre Soleil est le moteur de la machine climatique, mais son flux énergétique n'est pas strictement constant. Grâce aux mesures réalisées par les sondes spatiales, il apparaît que l'éclairement du Soleil fluctue à court terme. Par exemple, le cycle solaire de 11 ans est accompagné par une variation d'éclairement totale d'environ 0,1%. Le premier panneau de cette nouvelle figure présente montre ces fluctuations pour les deux derniers cycles solaires, cycles 21 et 22, depuis 1975. Encore une fois, ces mesures ont été faites directement à partir de sondes spatiales. Auparavant, il n'y avait pas de données fiables sur ces fluctuations qui, somme toute, sont relativement faibles. Encore une fois, ce cycle de 11 ans et l'amplitude totale de cette sinusoïde est de l'ordre de 0,1% à mettre en parallèle avec les 1% de changements liés aux gaz à effet de serre générés par l'activité humaine. Donc il faut bien voir qu'il y a un facteur 10 entre les deux perturbations. Ce qui peut paraître paradoxal et n'était pas connu avant l'exploration spatiale, c'est que l'éclairement solaire augmente avec le nombre de tâches solaires, puisque les cycles solaires sont caractérisés par un cycle de l'abondance des tâches solaires. Ces tâches assombrissent le Soleil, mais leur effet est somme toute masqué par celui de zones brillantes, appelées des facules, associées aux tâches sombres. Plusieurs équipes d'astrophysiciens ont développé des modèles pour convertir les observations de l'activité solaire en termes d'éclairement pour les quatre derniers siècles. La courbe jaune sur le deuxième panneau résume ces études et suggère que l'éclairement solaire varie aussi à long terme, avec des périodes de faible valeur correspondantes aux baisses d'activité du Soleil. Donc voici cette courbe en jaune qui vous présente encore une fois, sur un axe temporel allant de 1600 à 2000, les fluctuations de la constante solaire, entre guillemets, ces fluctuations donc de l'éclairement solaire exprimées en watts par mètre carré. La plus connue de ces phases de calme solaire a eu lieu entre 1645 et 1715, qui est représentée ici. Période pendant laquelle les tâches solaires étaient pratiquement absentes. Son importance a été particulièrement soulignée par l'astronome anglais Edward Walter Maunder à la fin du 19e siècle. À plus long terme, il est possible d'utiliser des marqueurs isotopiques afin d'estimer approximativement les variations de l'éclairement solaire. Un résultat majeur de ces études est que le minimum de Maunder n'est qu'un minimum parmi de nombreux autres et que le Soleil a passé une partie importante des derniers millénaires en phase calme, avec un éclairement généralement un peu plus faible que la valeur actuelle. Donc cette mise en perspective avec des traceurs moins précis, approximatifs on va dire, mais qui permettent de remonter un peu plus loin dans le temps, donc à partir en particulier de mesures de béryllium-10, d'un isotope béryllium-10 dans les glaces polaires, en particulier une carotte de glace au pôle sud, sont représentées ici à partir de l'an 800 jusqu'à l'année 2000. Donc on voit très nettement que l'éclairement du Soleil n'a pas été constant et que ces périodes, donc le minimum de Maunder entre 1645 et 1715, qui est bien représenté ici, on le retrouve ici, donc c'est le numéro 3, et on voit qu'il n'est pas seul, qu'il y a eu d'autres minima solaires, et que donc le Soleil est caractérisé par une fluctuation comme ça, de l'ordre de quelques siècles à quelques millénaires. L'impact climatique de ces fluctuations solaires est encore l'objet de beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, de nombreux chercheurs pensent que ces variations irrégulières sont responsables de tendances climatiques à l'échelle de quelques siècles. Pour le dernier millénaire, cette variabilité se caractérise par des changements thermiques relativement limités en amplitude et en vitesse. En effet, ces changements thermiques
sur le dernier millénaire sont représentés sur cette figure, qui représente en fait une compilation de plusieurs courbes publiées par différents auteurs. Donc on voit très nettement que toutes les études ne sont pas en accord, mais ce que cette vue souligne aussi, c'est que l'amplitude thermique est relativement faible, de l'ordre de 1 degré au maximum, ce qui pose même quelques problèmes de détection du signal. Il semble cependant que la période la plus froide du millénaire ait eu lieu à partir de 1450 pour se poursuivre jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cette phase froide, communément appelée le petit âge glaciaire, a été particulièrement intense en Europe et aurait succédé à une période médiévale généralement plus clémente. Donc on la voit très nettement ici, petit âge glaciaire. Ce petit âge glaciaire s'est terminé de façon assez rapide, ce qui conduit de nombreux auteurs à penser que d'autres facteurs contribuent au réchauffement récent, qui est souligné ici par la courbe rouge. Donc un réchauffement récent, très rapide, à partir de l'année du début du 19e. Cette figure vous montre un agrandissement du diagramme d'évolution thermique pour les quatre derniers siècles, depuis donc l'an 1600. Grâce aux mesures directes de la température, qui sont représentées par cette courbe en noir, il est clair que l'atmosphère s'est réchauffée de pratiquement 1 degré depuis le milieu du XIXe siècle, donc à partir d'ici. Comme le rappellent les deux panneaux suivants, cette période correspond justement à l'augmentation des gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique et le méthane, qui vous sont représentés ici en vert et en bleu. Cependant, ces deux dernières courbes sont de forme exponentielle et ne semblent pas être responsables de la phase initiale du réchauffement observée pendant la première moitié du XXe siècle. Donc, c'est-à-dire cette phase de réchauffement n'est absolument pas, ne peut pas être expliquée clairement par l'augmentation des gaz à effet de serre. D'autres causes naturelles, comme l'augmentation de l'éclairement solaire ou la diminution de la fréquence des injections de poussière d'origine volcanique, pourraient avoir contribué à cette phase initiale du réchauffement global. Comme je l'ai déjà dit au début de cette leçon, l'accélération du réchauffement observé sur les 25 dernières années dépasse probablement la variabilité naturelle. Cette augmentation ne semble visiblement pas pouvoir être reliée quantitativement au changement naturel du Soleil et des volcans. En outre, de nombreux travaux de modélisation climatique suggèrent que les augmentations récentes des teneurs atmosphériques du gaz carbonique et du méthane sont les deux causes principales du réchauffement des dernières décennies. Prévoir le climat des prochains siècles est certainement une tâche extrêmement ardue, car en plus des incertitudes scientifiques et techniques, il est nécessaire de tenir compte de l'évolution de la population mondiale et de sa consommation en énergie. Ces facteurs sociologiques et économiques ne relèvent pas du domaine de la climatologie et compliquent notablement les prévisions. Pour rester dans le domaine scientifique et illustrer brièvement la difficulté de la modélisation du climat futur, je vais vous présenter ici deux simulations à long terme réalisées grâce au même modèle couplé océan-atmosphère qui nous avait servi pour étudier les événements de Heinrich et de Dansgaard-Oeschger. Ces deux cartes présentent les anomalies de température pour l'année 2500, donc à très long terme, par rapport au début de l'ère industrielle. Les deux simulations tiennent compte de la même évolution du gaz carbonique atmosphérique, mais diffèrent seulement par certains détails du traitement du bilan hydrologique en Atlantique Nord. Les réchauffements moyens sont similaires, d'un peu plus de 3 degrés, 3,4, 3,1, mais la différence n'est pas là. Cette faible différence masque en fait des contrastes régionaux, en particulier en Atlantique Nord, qui présentent pour la deuxième simulation une tendance au refroidissement très nette, atteignant plus de 4 degrés au niveau de l'Atlantique Nord. Donc vous voyez ici une bulle bleue qui représente un refroidissement, ce qui peut paraître paradoxal dans un environnement globalement plus chaud, donc un réchauffement global qui paradoxalement pourrait refroidir le climat en Atlantique Nord. La raison de cette différence régionale marquée est que dans le premier cas, la circulation thermohaline globale est restée stable, alors que dans le second, le climat a basculé dans un état caractérisé par une circulation océanique profonde beaucoup plus faible. Donc le second cas. Mon but, en vous présentant cet exemple de modélisation parmi beaucoup d'autres, n'est pas seulement de vous faire prendre conscience de l'étendue du réchauffement global qui nous attend en toute logique, mais aussi de vous rappeler que de nombreuses incertitudes subsistent encore dans notre compréhension des mécanismes climatiques. La présence de nombreux phénomènes non linéaires complique singulièrement la prévision des changements du climat. Depuis la fin des années 80, un groupe international d'experts a été mis en place par l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation des Nations unies. Ce comité, appelé le GIEC, pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, en anglais IPCC, établit régulièrement un rapport de synthèse des résultats scientifiques acquis sur les changements climatiques récents.
Le troisième rapport, publié en 2001, fait plus de 3000 pages. C'est le fruit de la collaboration de pratiquement autant de spécialistes. Le rapport du GIEC fournit aussi des prévisions de l'émission des principaux gaz à effet de serre et aérosols. En utilisant différents modèles climatiques, il ressort que la température moyenne globale augmenterait de 1,5 à 6 degrés Celsius entre 1990 et 2100. Cette large fourchette indique aussi que des progrès doivent être réalisés pour mieux modéliser l'influence des changements anthropiques sur le système climatique. D'après les modélisations considérées par le GIEC, les changements climatiques seraient très différents suivant les régions et le réchauffement serait particulièrement marqué sur les continents. Les précipitations augmenteraient aux moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère nord. Le réchauffement global serait aussi propagé aux couches superficielles de l'océan qui se dilateraient en conséquence. L'élévation du niveau moyen global des mers se situerait entre 10 et 90 cm d'ici à l'année 2100. Le risque est qu'en attendant d'avoir davantage de preuves du réchauffement global et davantage de précisions sur ses prévisions, comme par exemple le voudrait l'administration américaine, nous soyons engagés de manière irréversible vers un changement climatique majeur comparable à ceux des derniers milliers d'années. J'espère que ce bref voyage à travers l'histoire du climat vous aura convaincu que les différentes causes des variations climatiques peuvent se combiner alors que leurs durées ne sont pas les mêmes. Bien que les conditions du système ne se répètent jamais à l'identique, établir une histoire du climat est indispensable pour qui veut comprendre et prévoir les variations futures. En effet, de nombreux types de variations climatiques ont été simplement décrites avant de pouvoir être comprises quantitativement par la modélisation numérique. Le paléoclimatologue doit s'efforcer d'acquérir la rigueur du climatologue actualiste tout en gardant l'œil du naturaliste. De même, le modélisateur du climat doit tenir compte des données d'observation à court terme et aussi à long terme et s'efforcer de prendre en compte les échanges d'énergie et de matière entre tous les compartiments du système climatique, à savoir l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, la biosphère et la lithosphère, sans oublier d'y inclure, bien évidemment, les effets anthropiques. Il est de tradition de conclure une leçon inaugurale en évoquant son trajet personnel. Une carrière scientifique est souvent un mélange complexe de vocations initiales, d'opportunités saisies ou manquées, et de rencontres fortuites avec d'autres scientifiques. J'évoquerai donc brièvement ce parcours, ce qui me donnera l'opportunité de remercier les personnes qui m'ont généreusement prodigué leur aide ou leurs conseils et sans qui je ne serais pas ici ce soir. Mon intérêt pour les sciences de la Terre a commencé très tôt, en fait aussi loin que ma mémoire me permet de remonter. Cette passion précoce a été entretenue par mes parents jusqu'à mes études en classe préparatoire, puis à l'École nationale supérieure de géologie de Nancy. Je garde un excellent souvenir de ces études d'ingénieur qui m'ont familiarisé avec des notions rigoureuses de mathématiques, de physique et de chimie, outils qui rendent possible la quantification des processus en sciences de la Terre. Les enseignements de l'école de Nancy étaient surtout destinés à des applications directes vers les industries pétrolières et minières, le génie civil et l'hydrogéologie. Néanmoins, l'école a aussi des liens privilégiés avec des laboratoires scientifiques, parmi eux le Centre de recherche pétrographique et géochimique, au sein duquel plusieurs professeurs réputés effectuent leurs recherches. En tant qu'élève ingénieur, j'ai passé du temps à synthétiser des minéraux à très haute pression et à haute température. Mes professeurs de géodynamique chimique, comme Francis Albared et Alain Weisbrod, sont donc en partie responsables de mon orientation vers la recherche. En parallèle à cette passion pour les sciences de la Terre, j'étais de plus en plus impliqué dans des fouilles archéologiques qui occupaient l'essentiel de mes congés d'été. Au début des années 80, je compris que la géochronologie isotopique serait probablement le meilleur moyen de garder un pied en géochimie et d'avoir l'autre en archéologie préhistorique. À la suite d'un stage de fouilles à Totavel, Henri Delumelet m'introduisit auprès des géochimistes travaillant au Centre des faibles radioactivités à Gif-sur-Yvette, laboratoire dépendant à la fois du CNRS et du CEA. C'est donc au début de 1985 que je rejoignais l'équipe nouvellement créée de spectrométrie de masse par accélérateur. Le but de mon travail de thèse, sous la direction bienveillante de Jean-Claude Duplessis, était d'une part de dater les sédiments marins utilisés en paléoclimatologie et d'autre part de suivre la pénétration dans l'océan du gaz carbonique atmosphérique marqué par le carbone 14 d'origine thermonucléaire. De ces années de doctorat, je remercie particulièrement Maurice Arnold qui m'enseigna les bases techniques de la spectrométrie de masse et me communiqua sa passion de la précision analytique. Avec un tel programme de thèse, en relation avec les paléoclimats et les échanges de gaz carbonique entre l'atmosphère et l'océan, j'étais inévitablement immergé dans l'abondante littérature de Wallace Brocker de l'Université Columbia à New York. Son laboratoire du Lamont-Doherty Earth Observatory était pour moi le centre du monde scientifique, et je le remercie encore de m'y avoir accueilli comme chercheur postdoctoral, puis comme chargé de recherche.
J'ai eu la chance d'arriver à New York au moment où Richard Fairbanks organisait une première expédition océanographique pour étudier le niveau marin à l'aide de coraux de l'île de la Barbade. Ma seconde chance était de ne plus avoir accès à un accélérateur de particules à New York, ce qui m'obligea à me tourner vers d'autres méthodes analytiques. Au même moment, une équipe de géochimie de Californie publiait d'importants travaux sur l'utilisation de la spectrométrie de masse des isotopes mineurs des chaînes radioactives de l'uranium et du thorium. C'était précisément la même approche que j'avais utilisée pour le carbone 14 pendant ma thèse. La spectrométrie de masse est en effet beaucoup plus précise car elle permet de compter les atomes radioactifs un par un directement avant leur désintégration. Ces isotopes sont cependant difficiles à mesurer et je suis reconnaissant à Bruno Hamelin qui m'a appris comment séparer et purifier ces éléments et enfin les analyser à des teneurs très faibles grâce à la spectrométrie de masse. Après un bref retour à Gif-sur-Yvette, Bruno Hamelin et Daniel Naon réussirent à me convaincre de venir les aider à construire et développer de nouveaux laboratoires de géochimie entre Marseille et Aix-en-Provence, laboratoires qui dépendent du CNRS et de l'Université Aix-Marseille 3. L'avantage de la création du CEREJ est que nous n'avions pas vraiment de contraintes logistiques et thématiques, ce qui me permit de m'intéresser aux applications de la géochimie organique dans le domaine de la paléoclimatologie. Pour cette partie la plus récente de l'histoire, je remercie ma femme et collègue de travail Frauke, qui passe maintenant une grande partie de son temps au laboratoire de chromatographie en phase gazeuse du CEREJ. Frauke partage évidemment beaucoup plus que ma passion scientifique. Sans vouloir m'attarder sur ses aspects personnels, je veux cependant lui rendre hommage et la remercier pour sa patience affectueuse qui lui a permis de faire face à nombre de mes tourments et à mes inquiétudes. Je vous remercie de votre attention.